Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu, peuple du Togo. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le groupe international d'évangélisation. Jésus revient, vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, avant d'entrer dans le vif sujet, j'aimerais vous présenter toute l'équipe qui est venue sur le plateau. Mais Dieu m'a demandé pour Radio Bonne Nouvelle. Radio Bonne Nouvelle. La voix du Christ, la voix du bon berger. Et Christ, alors, pour la nuit, 98.7. Blasi de Kevoni, Toto Jesse, André. Alléluia. Amen. Alors, je vais présenter l'homme de Dieu. Je vais lui laisser le micro. Lui-même va se présenter. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, peuple du Togo, peuple de Lomé et peuple de toutes les contrées du Togo. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le groupe Jésus Revient, la chaîne Jésus Revient TV, comme l'a annoncé notre bien-aimé serviteur de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a mandaté pour préparer son Église à sa rencontre. Et notre mission est une mission vraiment de réveil, une mission de renouveau. Une mission pour convoyer et pour rassembler toute l'Église afin d'être prêt pour le retour de Jésus. Je vous présente les bien-aimés qui sont sur le plateau. Nous avons l'animateur, l'apôtre Joseph. De l'église Jésus revient de Lomé. Jésus revient même que les Togo Lomé. Nous avons ici le pasteur, l'interprète qui est le pasteur Caleb de l'église Jésus revient de Lomé. Et l'évangéliste. Et Esdras de l'église Jésus revient de Lomé. Esdras, Jésus revient de Lomé. Nous avons aussi le serviteur Jacques, qui est aussi le missionnaire avec moi. Moi-même, je suis le docteur Silas. Nous venons tous, les deux missionnaires, nous venons du Bénin. Nous venons de l'équipe Jésus revient au Bénin. Nous sommes venus soutenir l'église Jésus revient de Lomé. Dans l'enseignement de la parole. Dans la révélation, dans la connaissance de la parole, afin que vraiment les âmes soient affermies et que tout le Togo vraiment soit prêt pour le retour de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la place à l'animateur, l'apôtre Joseph de Lomé. Alléluia. Amen. Nous remercions l'homme de Dieu, docteur Silas, pour son intervention. Alors, peuple de Dieu, population du Togo, tout le corps du Christ. C'est avec un grand plaisir que nous sommes sur la radio Bonne Nouvelle, la voix du Christ, la voix du bon berger. Dans l'émission Mettez de l'ordre dans votre vie, Jésus revient. Pour vous présenter un programme spécial. Et tout à l'heure, je vais laisser encore le micro à l'homme de Dieu pour le message que nous avons à l'endroit de la population togolaise ce matin. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17 dit: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, je tiens à vous dire que le fondement de la doctrine que nous prêchons, c'est la sainte doctrine supposée, la doctrine de repentance. Alors, je vous laisse
savourer le message d'aujourd'hui à travers l'homme de Dieu, Dr Silas. Invitez vos amis, vos frères, vos sœurs pour écouter le message du Seigneur. Où que vous soyez, dans votre maison, dans votre voiture, au marché, au bureau, écoutez ce que le Seigneur a prévu pour vous ce matin de la part du groupe Jésus revient. Alors je laisse le micro à l'homme de Dieu, Dr Silas, pour la suite. Amen. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, à toi soit la gloire. Seigneur Jésus, ce matin, tu nous invites à parler à ton église, à parler au monde entier, à parler à toute la population du Togo. Seigneur Jésus, remplis-nous de ta présence, de ton feu, de ta puissance, de ton esprit, afin de libérer le message, afin de répandre l'évangile, afin de répandre la ta doctrine, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, je prie. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, nous vous saluons encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, maman, jeunes frères, jeunes sœurs, vous tous qui me suivez actuellement dans les marchés, dans les églises, dans les maisons, partout où vous nous écoutez, chers auditeurs, auditrices, nous vous saluons encore au nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit votre partage. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a envoyé ce matin pour sonner la trompette, pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que nous sommes venus vous annoncer est très très majeure et importante. Très important et majeur parce que nous sommes dans les derniers temps. Plusieurs d'entre vous savent très bien que nous sommes dans le temps de la fin. Que nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps où il y a beaucoup de dérèglements dans le monde. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a même dit dans Matthieu 24 qu'à la fin des temps, il y aura l'abomination. Ben, nous il y aura la désolation. Et le monde sera rempli d'iniquité. Il dit, le Seigneur Jésus dit, lorsque l'iniquité sera accrue, lorsque l'abomination va régner dans le monde, l'amour du plus grand homme se refroidira. Dans l'église, l'amour du plus grand homme se refroidira. Dans le monde, il y aura des désordre. Il y aura même des guerres, des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre l'autre. Un peuple contre un peuple. Une tribu contre une tribu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Il y a les guerres. Il y a des troubles. Pendant que le monde est en trouble. Pendant que le monde est dans l'iniquité. Le peuple dort. L'église dort. L'église est censée le lieu de rassemblement des nations. Le lieu de rassemblement des peuples. L'église est censée être le comité d'alerte des choses du royaume des cieux. C'est l'église qui est chargée de révéler au monde, de révéler aux nations le temps dans lequel nous sommes. Le temps dans lequel nous sommes. Bien aimé, nous sommes dans un temps précis. Nous sommes au temps de la nuit. Jésus Christ, notre Seigneur, est venu dans le monde. C'était la période du matin. La Bible dit que la parole
parole prophétique en brille comme une lumière. Et c'est Jésus qui est venu annoncer cette parole. Il est venu accomplir les prophéties. Il a annoncé la repentance. Plusieurs nations aux Juifs de se repentir. Jésus-Christ, après cette repentance annoncée, il a même eu des miracles. Il est allé à la croix pour nos péchés. À la croix, Jésus-Christ expira et disa. Il disait, oh, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En même temps, le monde était en ténèbres, parce que le Fils de l'homme était mort à cause de nos péchés à la croix. C'était la période de midi à la croix. Et c'était une période où le monde était dans le noir, dans les ténèbres. Parce que Dieu qui était en chair est sorti du corps, retourné pour aller ouvrir le séjour des morts et libérer les âmes. Alléluia. Amen. Après ça, il y a eu une période que nous appelons le soir. C'est le temps de la grâce. La période du matin pendant laquelle Jésus était venu, nous l'appelons le matin. Lorsqu'il était à la croix, c'était midi. Après-midi, il y a le soir. C'était le temps de la grâce. Et le Saint-Esprit était descendu. Et Jésus lui-même dit aux disciples, vous aurez une puissance. Une puissance sera manifestée en vous. Vous allez annoncer l'évangile, la parole dans tous les extrémités de la terre. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se met sur vous et vous annoncerez l'évangile dans toutes les extrémités de la terre. Dans la Samarie, la Judée, la Judée, la Jérusalem, partout. Et nous avons vu que l'Esprit est descendu au jour de Pentecôte. Pierre prenant la parole, annoncer la repentance aux nations, de recevoir Jésus, d'abandonner le péché. Et c'était vraiment fort. Tout le livre des apôtres nous parle de cette œuvre que le Saint-Esprit est venu accomplir sur la terre à la période du soir. Parce qu'après le midi vient le soir. Et le temps où Jésus était mort à la croix, c'était les ténèbres. Comment les ténèbres peuvent paraître à midi? Après midi, il y a le soleil. Le Fils de l'homme a été crucifié. Mais après la pluie vient le beau temps. Après cette œuvre de la croix, apparaît le beau temps, le temps de la grâce. Et l'Esprit est descendu. Et cet Esprit est descendu. L'évangile a été annoncé. La repentance a été annoncée. Mais après une période, il y a une période qui est venue. Il est trop bas. Parce que quand la repentance a été annoncée par le Saint-Esprit, l'église est établie. L'église de Jésus sur la terre. Disons l'église primitive. Alléluia. Mais après l'église primitive, nous avons commencé par, le monde a commencé par remarquer des nouveaux systèmes. Des mauvais systèmes de pensée. Des doctrines étrangères. L'église primitive était basée sur la sainte doctrine. Au temps du soir, le Saint-Esprit est venu annoncer sur la terre la sainte doctrine. La sainte doctrine authentique. Le message de la repentance. Le message du dépouillement. Le message de la sainteté. Et c'était le message que les apôtres prêchaient. Il y avait la crainte de Dieu. Et le Saint-Esprit faisait des miracles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'église que les apôtres ont dirigée ont commencé par s'assombrir dans les erreurs, dans les fausses doctrines, dans les mélanges, dans tout cela. L'église a connu une période vraiment après le soir. C'était une période où les doctrines ont mélangé le corps de Christ, les fausses doctrines, les hérésies. Les gens ne croient plus à la sainte doctrine. Les gens ne prêchent plus
la repentance. Comme cela se doit. Et l'hérésie entre dans l'église. L'abomination de la désolation. Nous sommes en ce temps de la nuit. Et Jésus revient. La Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. Pendant que les gens ont renversé la doctrine, Jésus est en train de destituer une nouvelle. Une nouvelle réforme. Renouvellement de l'église. Un réveil de l'église. Et nous appelons ça la restauration de la parole. La restauration de la parole. Qu'est-ce que la Bible dit dans Tite 1? Dans le livre de Tite 2, verset 1. Alléluia. Pour toi. Tite 2, verset 1. Pour toi, oh, yeah. Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. C'est ce que Dieu recommande à l'église. Cher pasteur, cher apôtre, cher docteur, cher évangéliste, cher prophète, vous devez dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Si tu es dans une église et la sainte doctrine n'est pas prêchée, l'enseignement authentique n'est pas prêché, comment Jésus peut se glorifier sa doctrine n'est pas. Et la Bible nous dit aussi que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines de démons, à des abominations. Et la Bible nous dit aussi que beaucoup ne supporteront pas la sainte doctrine et s'attacheront à une foule de docteurs qui ne prêchent même pas sur le ciel, qui ne prêchent pas sur la repentance, sur la sainte. Mais qui prêche les choses là? Bien aimé, nous sommes au temps de la nuit. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains, pendant la nuit, vous devez vous réveiller. Vous devez vous dépouiller des œuvres des ténèbres. Vous devez vous dépouiller des choses du monde. N'aimez pas le monde. Les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas. Nous sommes venus vous annoncer qu'en ce temps de la nuit, vous devez vous réveiller pendant que le monde dort. Dans l'iniquité, pendant que les églises sont dans l'apostasie, pendant que les églises ont renié Jésus, vous qui m'attendez, réveillez-vous, relevez-vous, réveille-toi, toi qui dors. Jésus t'éclairera. Jésus t'annonce un évangile de paix, un évangile de vérité. Par notre venue ce matin, toi qui es affligé, Jésus te relève. Toi qui dors, il te réveille. Toi qui es dans l'ignorance, il dit, reçois la connaissance. Parce que l'heure est venue pour le réveil du Christ. Et ce réveil passe par la repentance, le dépouillement, la sainteté, le rejet du monde, l'abandon des choses du monde, la repentance du corps de Christ, du retour à la parole, du retour à la sainte doctrine, la sainte doctrine authentique. Et comment faire? Se réveiller, comme je l'ai dit. Prends conscience. Commencez par prier. La Bible dit, pendant que le temps de la fête soyez sobre, réveillez-vous, parce que le diable, il rôde comme un lion cherchant à dévorer. Bien aimé, beaucoup sont dans l'ignorance. En ces derniers temps, sont dans les captivités, sont dans les hérésies, sont emprisonnés par des camps de concentration. Pourquoi la Bible? Lise la Bible. Ne comprennent pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le système du monde a aveuglé la connaissance. Ce matin, toi qui me reçois, le Seigneur te dit, lève-toi, réveille-toi de ton sommeil. Prends ta Bible. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Que le Saint-Esprit renouvelle tes esprits d'esprit. Pour que tu comprennes la parole, pour que tu comprennes la sainte doctrine, pour que tu comprennes les mystères cachés de la parole. Longtemps, on vous a aveuglé par les hérésies, par le système philosophique. Bien aimé, l'heure de la révélation arrive. Le voile doit être ôté. Le voile de l'ignorance, le voile de l'orgueil doit être ôté. Jésus veut préparer une église.
glorieuse. Jésus est en train de vous interpeller à chercher la Sainte, à chercher l'évangile éternel, à vous préparer son retour. Et il dit dans sa parole, voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Et dit, je reviens, mais je vais d'abord vous préparer une place. Celui qui entend ma voix, qui ne doute point, croyez à moi et croyez au Père. Je vais préparer une place. Bien aimé, pour ne pas rater la place que Jésus te prépare. Bien aimé, reçois sa parole, reçois sa doctrine, pratique sa doctrine. Aujourd'hui, bien aimé, je tiens à te dire quelque chose avant de conclure. Ce n'est pas une église qui sauve. Mais c'est la parole. Tu peux faire des années à l'église. Nous te révélons Jésus. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois le Saint-Esprit. Et ta vie changera. Il t'amènera dans les hauteurs, dans les largeurs, dans la longueur, dans la profondeur. Et pour ta vie atteigne la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié, soit béni, et que ce message te touche et transforme ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus. Ah, nous rendons toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, nous sommes presque à minuit. Et Jésus revient très bientôt. Reviens-toi, toi qui dors. Et le Seigneur t'éclairera. Alléluia, c'est le message que le Seigneur a prévu pour toi. Qui nous écoute depuis la voix du Christ, la voix du bon berger. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, peuple du Togo, nous sommes presque à la fin de notre émission, de notre intervention. Ah, le temps ne nous suffit pas pour vraiment aller dans les profondeurs des choses. On a que 30 minutes. Alléluia. Amen. J'espère que toi qui nous écoutes, tu as soif de la parole de Dieu. Alors, nous allons donner le micro au serviteur Jacques, s'il a un mot à l'endroit du peuple de Dieu. Serviteur Jacques. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes ravis d'être instrument du Seigneur ce matin pour nous communiquer la bonne nouvelle. Que vous avez l'habitude d'écouter au travers de ce canal, au travers de la radio. Nous vous invitons massivement à revenir à Christ, à changer votre vie et à renouveler votre communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Le temps nous presse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia, nous vous bénissons. Et nous sommes très heureux que vous ayez été très attentifs au message du Seigneur Jésus-Christ. À cet effet, nous profitons pour inviter le peuple de Dieu, la population de Lomé, la population du Togo. Nous les invitons à un séminaire. Nous avons 5 jours de séminaire sur le thème intitulé « Connaître et vivre les expériences spirituelles ». Les expériences spirituelles et glorieuses en Jésus-Christ. L'église Jésus revient du Togo. La communauté de Lomé se situe au niveau de Toti. Le Togo n'est autre Toti Basia. Lorsque vous prenez la voie de Toti, non point, en allant vers Limousine. Il y a une pharmacie à votre gauche. La pharmacie s'appelle Pharmacie Solidarité. Alléluia. Amen. Avant d'arriver à la pharmacie Solidarité, il y a une voie qui rentre à gauche. Alléluia, vous vous rendez dans la voie et vous allez voir l'église Jésus revient. Alléluia. Amen. Toutefois, vous pouvez aussi nous contacter aux divers numéros que je vais vous citer. Vous pouvez nous contacter au 90 36 77 89 90 36 77 89 Blani voici le ou au 96 allô blasi le 05 nande 39 blaton voici 33 blaton voton.
ou au 98. Allô, blasti de Kevoni. 72. Blandre Vauve. 96. Blasti de Kevoiden. 38. Blaton Vaux. Eni. Et enfin, au 92. Chocolentia, blasti de Kevoven. 62. Et Bladin Vauve. 89. Blani Voici de Kevoven. 75. Et Blandre Voiton. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et shalom, shalom. Le réveil à Dieu. Le réveil à Dieu. Toutes les nations s'apprêtent à connaître à Jésus. Le réveil à Dieu. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Que la gloire est bien.